Bonjour, c'est encore moi, Stéphane Telungwa, spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance. Nous sommes à la troisième vidéo où je présente étape par étape la formation Coaching DAF. La première vidéo, vous pouvez cliquer juste à côté là, vidéo 1, j'ai présenté de manière globale la formation Coaching DAF que je mets en place. La seconde vidéo, je me suis beaucoup plus attardé sur la plus grosse partie de la formation du Coaching DAF, c'est une formation en ligne, donc la partie qui concerne le reporting financier et les tableaux de bord. Aujourd'hui, je vais présenter la suite du programme, mais juste un petit rappel. Le coaching là, c'est une formation que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place, en ligne, fait pour les DAF ou pour les aspirants DAF. Elle a pour objectif de donner les compétences nécessaires pour maîtriser ce poste. Tout ce qui est lié à Excel, on va apprendre dessus pour améliorer la performance. Ceci étant, la dernière fois, nous avons déjà vu qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formation au niveau de reporting et des tableaux de bord financiers. Dans la suite du programme de la formation, après avoir maîtrisé à concevoir les outils de reporting, les tableaux financiers, les tableaux de bord financiers, nous allons voir la seconde étape, c'est l'audit des comptes. En fait, évidemment, lorsqu'on fait du reporting, avant de reporter les données financières que nous avons, il faut évidemment se rassurer que ces données financières sont proche de la réalité à au moins 90%. C'est là où intervient ce qu'on appelle l'audit des comptes. Donc, dans cette partie, on ne va pas voir ce que les auditeurs comptables font, mais on va voir comment, à partir des grands livres comptables qu'on extrait et qu'on met dans Excel, on va analyser nos comptes, on va retrouver les doublons, on va voir la tendance des comptes et on va voir comment repérer les erreurs d'écriture dans les grands livres comptables. Donc, on va le voir comment le faire rapidement avec Excel. Au niveau de retrouver les doublons, on va utiliser plusieurs méthodes, les mises en forme conditionnelle, on va utiliser les filtres. Donc, étape par étape, on va commencer comment retrouver les doublons sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes et sur quatre colonnes et ainsi de suite. Et puis, comment retrouver les doublons sur toutes les colonnes. Ensuite, on va voir comment analyser la tendance des comptes, comment cette analyse peut nous permettre de détecter tel ou tel erreur. Et enfin, au niveau de l'audit, on va voir comment analyser les écritures des comptes parmi les comptes les plus importants. Donc voilà à peu près tout ce qu'on voit dans l'audit. Regardez plutôt ce que ça donne. En ce qu'il s'agit d'audit des comptes, voici l'exemple d'outils qu'on va mettre en place. Donc, dans cet outil, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir retrouver tout type de doublons. Ici, je vais juste te montrer comment retrouver les doublons dans un grand livre de charges. Ici, on choisit le type de grand livre qu'on veut voir, grand livre de produits, de clients, de fournisseurs. Et là, on dit, je veux retrouver les doublons à 100%. On clique sur chercher. Et vous voyez, progressivement, ça met en évidence toutes les écritures qui ressemble à des doublons. Donc, c'est ce qu'on va vous apprendre, c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans le master sur la partie doublons. Comment retrouver les doublons d'écriture dans un grand livre. Et voilà. Donc, comme vous le constatez, voici les doublons. Par exemple, cette écriture-ci, voici son doublon ici. Donc évidemment, en tant que DAF, l'idée c'est de se rapprocher du chef comptable et de regarder l'écriture pour se rassurer qu'il s'agit bel et bien de doublon. Donc voilà comment on va mettre en place l'outil. On va mettre en place un outil qui nous permet de retrouver les doublons chez les charges, les produits et tout ce qui va avec. Là, c'est les produits. Voilà, par exemple, les doublons en écriture et tout et tout. Donc là, il s'agit de retrouver les doublons qui nous permettent évidemment d'améliorer notre comptabilité. À côté de ça, on va aussi voir comment retrouver les tendances des charges et des produits. Voilà, par exemple, on va mettre en place, je vais vous apprendre à mettre en place, à partir d'un grand livre comptable, cet outil, ou dans lequel j'ai pour chaque produit, grand compte de produits, le total général classé du plus grand au plus petit. Et c'est automatique, évidemment, avec la tendance pour chaque compte et le détail ici. OK? Donc, ça veut dire quoi, par exemple?
Quand on regarde par exemple ce compte-ci, on voit comment ça fonctionne. Le petit point noir, c'est le point le plus élevé. Et on peut se demander, est-ce que ce point-ci est le bon point? Est-ce que c'est normal pour le compte-ci que le montant le plus élevé soit au premier mois et puis ça descend? Ceci va nous permettre rapidement de noter les points, les non-cohérences. Par exemple, pour ce compte-ci, est-ce que c'est normal tous, pour ces trois comptes, que le montant le plus élevé soit en janvier et qu'après tout est resté presque pareil au niveau de la tendance? Donc, ceci nous permet, selon l'activité de notre entreprise, de retrouver des problèmes. On va voir en même temps, au niveau des charges, c'est le même principe. Hein. Ça, c'est facile de se dire, ok, est-ce que c'est normal que la prime de rendement soit le plus élevé en août, par exemple, et c'est resté plus ou moins droit partout? Est-ce que c'est normal que la prime de rendement, grâce à ce graphique, ça soit peut-être le plus bas en janvier? Donc, grâce à l'analyse des tendances, des mouvements d'un compte, ça nous permet de mettre en évidence des oublis, par exemple, aussi. Regardez ce compte-ci. Hein, on va voir, on se rend compte qu'il y a que 4 mois qui ont été renseignés. Est-ce que c'est normal? Donc, chacun dans son entreprise, à partir de cette analyse, va pouvoir retrouver les problèmes de tendance, les problèmes de ses écritures comptables. Ça aussi, on va apprendre à le faire automatiquement à partir des grands livres. Ça, c'est au niveau de l'audit. Et pour finir, on va aussi faire l'analyse des écritures des comptes. Dans ce cas-ci, on va voir pour chaque compte les plus importants, classer les écritures de l'écriture la plus importante à l'écriture la moins importante, mais on se concentrera uniquement sur les 10 plus grandes écritures. Ça, ceci aussi nous permet d'avoir l'attention, hein, sur les points les plus importants dans chaque compte. Donc, on peut le faire mois par mois, comme vous le constatez là, ou bien pour tous les mois. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va voir dans l'audit des comptes. Avec un outil pareil, quand vous saurez mettre un outil pareil, vous pourrez évidemment l'améliorer selon votre activité et vous allez apprendre énormément d'éléments. On va voir comment gérer les tableaux quoi dynamiques, comment intégrer les sparklines, comment mettre des graphiques dans les tableaux quand les amis faire des mises en forme conditionnelles. Ce sera super intéressant avec des filtres. On va même aller plus loin au niveau du comment retrouver les doublons. On va le faire non seulement comme ça, mais aussi avec une mise en forme conditionnelle. Ce sera super, super, super intéressant. Ok, donc ça, c'est au niveau de l'audit comptable. Bon, j'ai dit vidéo 2, c'était le reporting financier, tableau de bord financier. Étape 3 de notre formation, étape 2 de notre formation, c'est l'audit des comptes. Maintenant, étape 4, on est sûr que nos comptes sont bons, on les a reportés, on va faire ce qu'on appelle l'analyse financière avec Excel. Ici, la formation va se concentrer beaucoup plus sur l'analyse du point mort. Là, il faut voir analyse et simulation financière. Donc, on va voir comment retrouver le point mort et surtout le ratio de la position du point mort de l'entreprise. Donc, on va voir comment retrouver à partir des charges variables, des charges fixes, le calcul du point mort automatique et faire un ratio du point mort sur une tendance et voir quel est l'impact sur notre chiffre d'affaires. Quand ce sera été fait, on va passer aussi à la mise en place des simulations. Ça veut dire quoi? Comment se dire, ok, le point mort est une relation entre les charges variables et les charges fixes. Donc, comment est-ce qu'on peut impacter notre point mort? Donc, c'est-à-dire quoi? Selon la répartition des charges fixes et des charges variables, on peut avoir un impact. Donc, le but de la simulation financière qu'on va faire, ce sera de dire, si je réduis mes charges fixes de tel pourcentage, quel serait l'impact sur mon point mort? Si je réduis les charges variables de tel pourcentage, quel serait l'impact sur mon point mort? Donc, on va mettre en place un outil avec des toupies qui nous permettent de faire des... On va juste appuyer, c'est magnifique dans Excel. On appuie sur le petit bouton et on voit à chaque fois 1%, 2%, 3% les variations sur tous les éléments du point mort en chiffre d'affaires, en quantité et en durée. Regardez vous-même. En termes d'analyse financière,
La formation Coaching DAF va beaucoup plus se concentrer sur l'analyse du point mort et surtout, comment dire, l'indicateur de la position du point mort. C'est-à-dire quoi? Déjà, c'est ce qu'on va mettre en place. Je vous apprends à mettre en place cet outil. Expliquez, je vous explique. Si dans cet outil, en jaune, c'est les données qu'on met, qu'on intègre et tout le reste se calcule automatiquement. Ça veut dire que je peux décider ici, par exemple, que ici, au lieu de 219 millions, je mets ici 119 millions. Oups, excusez-moi, je foirais. Là, 119 millions. Et vous voyez, tout suit directement. Si je mets ici plutôt 189 millions, automatiquement tout se met à jour. Vous voyez un peu. Donc, c'est cet outil plus ou moins simple qu'on va mettre en place ensemble. Comment le faire et qu'est-ce qu'on va voir? C'est assez basique. Nous avons ici, le but étant de calculer le point mort, le voici ici, point mort d'exploitation, la position du point mort, des commentaires automatiques, ça veut dire quoi par exemple? Donc, lorsque j'ai mis mes éléments, vente totale, charge fixe, charge financière, charge variable, je retrouve automatiquement le point mort. Et ici, j'ai la position du point mort. Ça veut dire par exemple que là, en 2013, l'entreprise en question est à 20% du point mort. C'est une position assez confortable. Hein? Vous voyez, c'est écrit stable. B, marque L, fait stable normalement. Dans ce cas, à 5% du point mort, alors là, on est encore très près de faire des pertes. Donc, c'est pas terrible. De la même manière, ici, 8%, on est en position de danger. Et ici, on a un sympathique graphique dans lequel on voit, vous voyez, là, c'est la position de danger de 0 à 10%. Et là, c'est la position stable. Et là, c'est la position, on va dire, c'est une bonne position. Là, c'est quand tu es entre 40% et 60% du point mort. Cette analyse peut être très intéressante pour savoir est-ce que en ce moment notre chiffre d'affaires est bien par rapport au point mort. Est-ce qu'on est, on a déjà dépassé le point mort et on est en train de faire beaucoup de bénéfices, ou est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle on est encore trop près du point mort, hein? C'est une analyse assez intéressante et si évidemment on peut le faire automatiquement comme vous le constatez ici, ce serait pas mal non plus. Donc on va voir rapidement comment concevoir ce type d'outil. Et il est assez bien. Ça, c'est en termes d'analyse financière. En termes d'audit, en termes de simulation financière, on va voir comment faire la sensibilité du point mort sur plusieurs années. Voici l'outil qu'on va mettre en place. Cet outil est génial. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez mettre à partir des données ici, vous allez choisir l'année. On peut prendre 2015, 2014, toutes les données se mettent à jour selon le choix de l'année ici. Donc ici, on dit réduire les charges fixes, réduire les charges variables. Donc si je réduis les charges fixes de mon année 2016, de quoi? 11%, 10%, voici mes différents impacts. Sur quoi? Le point mort, vous voyez? Le point mort aura réduit de 18 millions. Et sera passé à 184 millions. Vous voyez un peu? Les charges, chiffre d'affaires, 19%, sera 19% du point mort, c'était à 8%, et aura une réduction de 10%. Vous voyez tous les éléments? La date du point mort, je calcule même automatiquement la date du point mort, qui serait le 1er novembre maintenant au lieu du 2 décembre, et on aurait gagné 30 jours à peu près. En volume de vente, voici les différents éléments ajustés. Voici les différents éléments réels. Vous voyez un peu? Donc, on va voir comment créer un outil pareil qui nous permet d'utiliser des toupies que vous voyez ici dans Excel. Il n'y a aucune macro, ne vous inquiétez pas. Ces éléments-ci pour choisir les éléments et pour faire baisser comme ceci. Ça, c'est des simulations qui vous permettent simplement de voir l'impact de la variation d'un élément sur des éléments. Hein. Vous voyez, on peut augmenter BC à 0%, augmenter BC. Donc voilà comment faire ceci. On va donc voir aussi comment réussir à créer ce type d'outil. C'est assez facile dès qu'on connaît. Donc là, ce sont les simulations. On va voir la sensibilité du point mort. Donc la formation va nous mener à créer cet outil. On va pouvoir savoir comment jongler avec les toupies, jongler avec des boutons radio et comment les tous relier à notre fichier pour faire de superbes simulations sur le point mort.
Voilà. Et maintenant, la troisième simulation qu'on va faire, c'est de voir comment faire varier les charges des produits et voir l'impact sur le résultat au choix. Donc, comment faire varier les charges? Donc, on va voir, on aura une liste de charges, on va pouvoir dire si on augmente telle charge de 1%, de 2%, de 3%, on va voir directement quel serait l'impact sur notre chiffre d'affaires, sur notre, excusez-moi, sur notre compte de résultat et voilà quoi. Donc, on parle ici les charges variées, ici les produits augmentés. Donc, tout cela sera fait sur Excel et on va voir la formation étape par étape comment le faire. Regardez à quoi va ressembler l'outil en question que vous allez mettre en place dans cette formation. Voici un outil que j'aime beaucoup pour les simulations. Je ne pouvais pas faire le coaching DAF sans vous apprendre à faire cet outil. Le principe est très simple, très basique. Ok, on a des données actuelles ici, de compte résultat, chiffre d'affaires, charge totale, résultat net, les ventes, achats de marchandises, vente de produits, travaux, les charges, les charges, les charges. Donc, notre compte de résultat est ici. Et voici les valeurs variées. Donc, ici, qu'est-ce qui se passait? Donc, valeur actuelle et valeur modifiée dans mes simulations. De quelles modifications s'agit-il? Grâce à des toupies qu'on aura mis encore ici, il suffira juste de dire, OK, et si j'augmentais mon chiffre d'affaires de 10%, vous voyez, je clique dessus et voilà, de 10%, quel serait l'impact sur mon résultat? Mon résultat net aurait augmenté de 26%, par exemple, et le chiffre d'affaires aurait augmenté de 7%. Donc, si j'ai augmenté mes ventes de marchandises par mon chiffre d'affaires, parce que dans le chiffre d'affaires, c'est dans ce cas, c'est aussi les ventes de produits fabriqués. Donc, si j'augmente mes ventes de marchandises de 10%, mon chiffre d'affaires augmente de 6,7%, 4 millions, et mon résultat net augmente de 26%. Et là, on a un petit graphique qui présente ça. On a un graphique, la valeur bleue là, c'est la valeur, on va dire, actuelle, et les petits pointillés, c'est la valeur ici. Donc, si je dis, OK, et je baisse en plus ma charge achat de matière et fourniture, de quoi, vous voyez, c'est où? Donc, j'ai confondu. Et si je remets à 0%, et si je baisse ma. Cette charge de 1%, moins de 3, 4, 5, vous voyez comment c'est, ça peut être super pratique de réussir à faire un tel outil. Je baisse de 30%, par exemple, le graphique a suivi, vous voyez là. Quel serait l'impact sur mes charges totales, baissées de 8%, mon résultat net, 50%, mon chiffre d'affaires, 6,7%. Donc, vous voyez comment on peut, c'est super, vraiment super. Donc cet outil a, il n'y a pas beaucoup de fonctions, de formules. C'est vraiment vous apprendre à utiliser les toupies pour faire les simulations. Du coup, c'est ça qu'il s'agit. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet outil pour ça. Donc on va apprendre à utiliser les toupies pour relier plusieurs tableaux et faire des simulations, faire varier à 1%, 2%, moins 1%, moins 2%. Quelle formule utiliser? Et aussi intégrer le graphique qui va avec et pouvoir et voir dans comment l'appliquer dans un cas de compte résultat. C'est vraiment assez impressionnant. On ne se croirait plus dans Excel. Non, mais tout est possible dans Excel qu'on veut. Donc voilà, on fait des variations. Moins 32, j'augmente. Je remets ça facilement à 20. Vous voyez, c'est pas. Et super. Donc voilà, on va aussi le faire directement dans les simulations financières. Assez intéressant, je pense. Voilà. Donc là, il s'agissait de la deuxième partie de la formation qui consistait à faire l'analyse, la deuxième, je veux dire, la troisième partie finale. L'analyse et la simulation financière. Après avoir fait le reporting logique, l'analyse de la simulation financière, on va un peu sortir des données purement comptables et se concentrer sur d'autres données. Ici, on va voir comment gérer la trésorerie avec Excel. Ça veut dire quoi? On va voir ici, on va voir comment monter des modèles de plan de trésorerie, parce qu'il y a des modèles mensuels, hebdomadaires, qui seront automatiques, facile à suivre et de manière professionnelle. Ce qui est important à noter, c'est que je n'ai pas imaginé mes propres modèles. Hein. Je me suis basé sur des best-sellers en finance, en CFO, comme ils disent en anglais,
qui proposaient des modèles assez intéressants et je les ai conçus directement dans Excel. Donc, je vais vous montrer comment les concevoir, comment automatiser ces modèles, comment ces modèles peuvent être reliés directement à la date et générer les modèles de plans de trésorerie. Donc là, c'est les plans de trésorerie. À côté de ça aussi, nous allons voir ce que j'appelais l'état des lieux. Tout DG à un moment donné besoin, beaucoup plus dans les PME évidemment, mais bien souvent un peu, même ailleurs, a besoin de savoir à un moment donné, le lundi ou bien le vendredi ou le jeudi, où en sommes-nous? C'est une question qui revient souvent d'offre, où en sommes-nous? Là, il veut savoir en général. À ce niveau, il veut savoir en général où en sommes-nous, c'est-à-dire les différentes soldes, les différents soldes de trésorerie, les soldes, les échéances, les créances, et les dettes fournisseurs, en moyenne, c'est ça. Donc, on va voir comment monter ce type d'état facilement. On ait une entreprise à gérer ou cinq entreprises à gérer. Donc, on va voir comment généraliser l'état des lieux qui peut être un outil qui nous permet ensuite de créer, créer progressivement le plan de trésorerie. Donc, ça, c'est au niveau de la gestion de la trésorerie. Et ensuite, toujours dans la formation, on va voir déjà ce que ça donne la gestion de la trésorerie. Regardez vous-même le fichier. En termes de gestion de la trésorerie, on va voir 1, 2, 3, 4 modèles différents et très évolués de plan de trésorerie. Le premier modèle, c'est un modèle que j'appelle hebdomensuel, c'est-à-dire c'est un modèle qui a été pris dans un de ses best-sellers de livres, The New CFO Financial Leader Manual. C'est un livre, un très bon livre sur le poste de DAF qui nous donne ces éléments. Donc, le monsieur qui est un ancien CFO de plus de 20 ans nous propose un modèle de plan de trésorerie. Il propose un nouveau modèle de plan de trésorerie dans lequel les premières colonnes, comme vous le constatez ici, représentent les semaines. Semaine du 22, semaine du 28, donc ainsi de suite. Donc ici, on va faire le plan de trésorerie selon par semaine. Les données ici seront par semaine. Là, et là, les trois derniers éléments, c'est par mois. À côté, nous avons ici le chiffre d'affaires des ventes prévisionnelles. Donc ici, il s'agit des ventes pas encore facturées. Bel et bien, on est dans le prévisionnel comme on devrait le faire. Les encaissements des ventes prévisionnelles. Ici, il s'agit des encaissements des ventes déjà facturées, donc des créances clients qu'on a en ce moment. Les clients nous doivent combien? Ils n'ont pas encore payé. Voici où est-ce que je compte, comment est-ce que je compte les encaisser. Un peu plus en bas, c'est les dépenses selon les types de charges. On a le solde initial évidemment ici, le solde final là. Ce qui est assez, on va dire bien, c'est quoi? C'est que tout est relié à cette date-ci. Donc si je dis on est le 10/04/2016. Oui, tout se met à jour automatiquement jusqu'au titre. Donc, on va voir comment, évidemment, aussi, tous ces soldes initiaux sont reliés. Vous voyez, on va voir comment le faire. C'est plutôt simple, hein, je pense. Donc, on va voir comment générer ce type d'outils hein, qui nous permettent d'automatiser un plan de trésorerie. Si je mets un montant ici, par exemple, voilà. Et si je mets un autre montant ici. Voilà, donc voilà, on va voir comment générer ce plan de trésorerie, comment le créer dans Excel, ça c'est facile dans le coaching DAF. Ensuite, on va voir maintenant comment faire un plan de trésorerie journalier. Selon les entreprises, on peut avoir besoin d'un plan de trésorerie, on va voir jour par jour la trésorerie. Donc ici, j'ai fait un plan de trésorerie sur plusieurs jours, voilà. Ici, j'ai mis sur 14 jours, et ici, vous allez voir automatiquement, en jaune, ce sont les week-ends, pour mettre ça en évidence. Ça aussi, on va le voir, on va voir comment générer cela, avec bien sûr ici la date de... La date qui est reliée à tout notre plan de trésorerie, voilà. Et même là, dès que je change la date, vous constatez que les week-ends se mettent aussi à jour. Donc voilà aussi, c'est le même modèle de plan de trésorerie. C'est pas mal toujours. On va voir comment le monter. Là encore. Voilà. Donc. Le troisième modèle plan trésorerie, comment il est? Ça, c'est un modèle que on va dire que j'ai moi-même rajouté. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait un plan trésorerie, bien souvent, on veut savoir au début de mon plan trésorerie, par exemple, ce client, s'il me doit combien?
Lui, il me doit combien? Lui, il me doit combien? Voilà, donc je mets ici des éléments initiaux, même les fournisseurs ici, combien chacun me doit, de telle manière qu'il m'est plus facile de faire évoluer mon plan de trésorerie avec le solde initial. Et à la fin, j'ai un solde final, on va dire, prévisionnel. Donc là, j'ai 500 000. Ce client me doit 500 000 en début de période, là. S'il me paye bel et bien 200 000, alors à la fin, il me devrait 300 000. Ce client, si je dis par exemple, lui, après, il va me payer à mes 300, vous allez voir directement, il ne me doit plus rien. Donc, ça, c'est intéressant de savoir aussi, de pouvoir, faire dans son plan de trésorerie, mettre les données initiales des clients et des fournisseurs et voir comment faire de la trésorerie sur ces données et voir l'impact sur le final. Donc ça aussi, c'est un point, c'est une approche assez intéressante qui nous permet de visualiser mieux notre plan de trésorerie et l'évolution sur ça. Le dernier modèle, il est encore plus évolué, tu voyez, parce que je veux dire, ici là, ce modèle, il est OK, mais la vraie question, c'est quoi? On quitte quoi de février au mois de juin. Entre-temps, évidemment, ce client, il est fort possible qu'il nous fasse d'autres achats et que sa dette plus ou moins augmente entre-temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne peut pas le gérer. Par contre, ici, je rajoute une colonne où je dis, non seulement au début, il me doit 500 000, mais je pense que entre le 22 et le 20, entre le 22 février et juillet 2006, ce gars va encore me faire une commande de 700 000 par exemple, et celui-ci une commande de 600 000, et ce fournisseur, on va lui faire une commande de 60 000. Donc on intègre un élément de facturation prévisionnelle qui nous va impacter évidemment le montant final et qui jouera dessus. Vous voyez, il nous devait 500 000, mais à la fin, il nous devra 900 000 malgré le fait qu'il a payé 200 000. Pourquoi? Parce que dans mes prévisions de trésorerie, je vais supposer qu'il aura une facturation de 700 000. Donc la trésorerie ne gère pas les facturations, mais les encaissements prévus et les dépenses prévues. Il serait intéressant d'ajouter à ça les différents soldes de clients et fournisseurs initiaux et finaux. C'est ce qui se fait dans ce plan de trésorerie qui rend bien sûr cet outil encore plus puissant quand on fait la gestion de la trésorerie. Ça aussi, donc on va le voir clairement dans le coaching d'AF, comment générer cet outil, quelles sont les formules utilisées et les mises en forme à le faire. L'état des lieux, ça c'est un outil de ma propre conception. De quoi s'agit-il? Lorsque le DG nous demande où en sommes-nous, il veut savoir les soldes trésoreries, les soldes et les échéances créances et les soldes des échéances dettes. Donc cet outil nous permet de gérer même l'état des lieux de plusieurs entreprises. Hein. Alors c'est la type des entreprises, les clients, les banques, donc, et on va apprendre comment le faire. Évidemment, le coaching DAF est une formation où on apprend à mettre en place des outils pour des DAF qui vont nous permettre de mieux gérer plus rapidement nos éléments. Donc, la liste des fournisseurs, l'exercice, le nombre de jours pour lesquels on veut avoir l'alerte. Ensuite, au jour le jour, c'est-à-dire ici, je vais enlever les filtres ici. On enregistre tous les éléments. Voilà, on enregistre, on va dire ici, au 4. Si au 4 janvier, on veut avoir l'état des lieux, on va prendre le 4 janvier et on va enregistrer pour cette date les soldes de trésorerie de toutes nos banques, les soldes des créances clients de tous nos clients et les soldes des créances fournisseurs. Donc, on va le faire. Imaginons que l'état des lieux est demandé chaque semaine. Donc, chaque semaine, bien chaque lundi de la semaine, on va enregistrer les différents éléments, soldes trésorerie, clients et fournisseurs à tous les coups. À tous les coups, on enregistre. Vous voyez? Et on précise bien sûr le nom de la banque, le montant, les échéances, l'entreprise concernée. Le mois, ça c'est automatique, voilà la fonction qui se fait tout seul. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? On a ce rapport. Donc on va apprendre à mettre en place ce rapport
qui permet ici d'actualiser. Ici, c'est quoi? C'est la trésorerie. On va le faire pour une seule entreprise, par exemple. Le solde de trésorerie, disons, pour le mois de janvier, cette date-ci. D'accord? On a ici pour l'entreprise ABCD, le solde de trésorerie, le montant, classé du plus grand au plus petit, et les découvertes qu'ils nous ont accordées. Ici, on a toujours pour l'entreprise les dettes fournisseurs avec les échéances. Et en rouge, c'est les alertes, c'est-à-dire que l'échéance est dans moins de 5 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. On connaît la date d'aujourd'hui. Pareil ici, les créances clients, les livres, chaque client, les échéances, le solde. Donc voilà à quoi ressemble l'outil en question. Ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on peut décider de faire des tris différents. Ici, c'est trié par solde de chaque fournisseur. On peut dire non, je veux un tri plutôt par date. Vous voyez, ou bien ici, un tri par date. Vous voyez, automatiquement, les dates les plus importantes sont là. Ici, on peut faire un tri plutôt par montant, vous voyez. Donc ça aussi, on va prendre à le faire. Donc ici, l'idée, ce sera de gérer et les tableaux croisés dynamiques avec, vous voyez, ceci pour faire des tris. Hein, c'est magnifique, là, des tris, comment utiliser les boutons radio dans des TCD pour générer des tris. Et bien sûr, utiliser des segments pour choisir les périodes ici. Hein, les périodes ou les entreprises, ou même plusieurs entreprises, comme vous le voyez, et comment créer ce type de TCD et leur mise en forme. Et bien sûr, une petite macro pour actualiser automatiquement l'outil. Donc, vous voyez à peu près ce qu'il y a à apprendre dans ce fichier. Il y a beaucoup de notions superbes qu'on va apprendre. On va voir vraiment comment jouer avec les TCD pour créer ce genre d'outil magnifique. Donc voilà, c'est un outil qui peut franchement aider dans le suivi de la trésorerie et peut nous permettre, bien sûr, d'être en première étape pour faire notre plan trésorerie. Après la gestion de la trésorerie, dans le plan de la formation, il y a aussi ce que j'ai appelé, on va faire des simulations de prêts. Donc, bien souvent, on a besoin de négocier les prêts. On a les taux d'intérêt, on a le montant initial à payer et des annuités. Donc, comment utiliser des fonctions financières dans Excel pour générer des tableaux de prêts, et on va voir comment ça se génère progressivement. Donc, regardez un peu l'outil de gestion de prêts à côté là. Voici l'outil du calculateur de prêt. Cet outil, on va voir dans cet outil comment utiliser toutes les fonctions financières d'Excel. Les outils pour générer un calculateur de prêt. Ceci me permet, vous allez voir, je supprime tout ça. Donc, je mets les éléments de mon prêt ici et automatiquement, j'ai mon tableau de prêt qui se génère ici. On recommence CTRL Z, vous voyez? Donc ici, je dis j'ai un prêt de peut-être, on va dire, de 10 000 plutôt, à 8%. Vous voyez, tout se met à jour automatiquement. Ici, on va utiliser beaucoup de fonctions. Ici, vous voyez les fonctions VPM, la fonction... attendez, on va voir. Fonction-ci, évidemment, et plein d'autres fonctions ici, les fonctions date, les fonctions VC, valeur capitalisée, les noms, la fonction principale, la fonction intérêt. Donc, on va voir toutes les fonctions financières qui nous permettent de générer un prêt. Si mon prêt est plutôt de 100 000, avec un taux d'intérêt de 8%, mais sur 3 ans, automatiquement, mon tableau de prêt se génère, mon calculateur de prêt se génère. Donc ça va nous permettre de maîtriser les fonctions financières qui sont liées au prêt. Donc on va apprendre à le faire étape à étape dans le coaching. C'est pas très compliqué, vous allez voir, dès que vous comprenez les fonctions de prêt, vous allez comprendre rapidement la formation sur comment créer ce calculateur de prêt. Voilà. Et la dernière partie de notre coaching DAF, il y en a beaucoup, vous voyez, on a fait reporting, audit des comptes, analyse financière et simulation financière, on a fait gestion de la trésorerie, création de prêts, et maintenant on va faire une partie que j'aime bien, c'est au niveau de l'audit bancaire. Est-ce que vous faites confiance à votre banque? Alors je vous donne
Je vous dis, ne faites pas confiance à votre banque. Il faut beaucoup plus analyser les dates de valeur, les ajouts bancaires que la banque. On va dire, un jour perdu, gagné par la banque, sur une transaction de quelques millions, de quelques milliards peut vous faire gagner quelques millions, ou bien faire gagner la banque quelques millions. Donc, souvent, il faut faire attention. L'idée donc de Mouchi, de la formation qui a derrière cette partie, c'est de vous dire, ok les gars, récupérez toutes les conditions de banque que vous avez avec la banque, c'est-à-dire les jours de banque selon les transactions. Prenez vos relevés bancaires, les exportez-les maintenant dans Excel et mettez en place un outil qui va contrôler étape par étape, va contrôler pour toutes les opérations, les jours de banque réels à partir des conditions bancaires et les comparer aux jours de banque que la banque a appliqués. Ça, c'est un outil magnifique. Pourquoi? Parce que tu compares l'état de valeur appliqué par la banque, l'état de valeur réel que la banque aurait dû appliquer. Et l'outil automatiquement, ou bien l'outil qu'on va mettre en place, que nous apprenons à mettre en place, va vous permettre d'extraire toutes les opérations qui n'ont pas les mêmes dates de valeur de la banque et les réels, d'une part. Et d'autre part aussi, cet outil qu'on va mettre en place va pouvoir calculer les ajouts bancaires selon les opérations. Vous voyez, c'est incroyable tout ce que vous savez. C'est donc les ajouts bancaires, on retrouve les dates de valeur, on calcule les vrais ajouts bancaires à partir des conditions bancaires qu'on aura. Donc, évidemment, la première étape que vous aurez à faire, c'est d'aller voir votre banque, dire, ok, monsieur, mon banquier, quelles sont vos conditions bancaires? Quelles sont les dates de valeur? Quels sont les jours de banque pour mes opérations, et ainsi de suite? Quels sont mes taux d'intérêt du plus long, découvert et tout ce qui va avec? Vous allez les mettre en outil et ensemble, on va construire étape par étape cet outil qui marchera. Donc voilà, présentez cet outil. Regardez ce que ça donne concrètement. Le contrôle des agios bancaires et des dates de valeur. Voici un outil, je suis sûr qu'on n'imaginait pas être possible dans Excel. Cet outil est magnifique parce que on va apprendre dans cet outil à contrôler toutes les dates de valeur que la banque nous impute, à partir, bien sûr, des conditions de banque que la banque va nous donner. Donc, l'idée de l'outil est celui-ci. Il y a une feuille donnée, une feuille relevée, bon, une feuille extraction, on verra plus tard. Ici, on a tous les jours fériés, on a les données générales, les taux, les différents taux d'intérêt, intérêt sur solde débiteur. Ces données, vous allez les prendre chez vos taux banques, le type d'opération, espèce, émission de chèque, réception de chèque, et ainsi de suite. Virement reçu sur l'initial. Et pour chaque type d'opération, encore plus de détails, espèce, il y a les retraits encaissement, émission chèque qu'il y a sur place, hors place, et ainsi de suite. Donc, on donnait un tableau comme ça où on met les différents types d'opérations, les taux de banque et les jours fériés. À partir de là, on va créer un tableau comme ceci, dans lequel nous avons notre relevé bancaire que voici ici. Donc ici là, on remet notre relevé bancaire et dès que c'est fait, automatiquement, parce que dans le relevé bancaire, on a la date de l'opération, le type d'opération, est-ce que c'est une émission de chèque, en place, sur place, est-ce que c'est un solde initial, oui peut-être, est-ce que c'est un retrait espèce ou bien... Donc voilà, un retrait espèce ou bien un encaissement d'espèce. Donc voilà, on met toutes les opérations bancaires ici. Le tri a été fait, peut-être on va mettre ici directement. Donc là, j'ai remis le tri par date d'opération. Donc, on a ici les dates d'opération, le libellé d'opération, le débit de crédit et la date de valeur du relevé bancaire. Donc voici ici tous les éléments du relevé bancaire. Ok. Bon, les rouges, ne vous inquiétez pas de ça, c'est pas grave, je vais vous expliquer ensuite. Et là, avec les formules qu'on va voir, vous voyez, voici la formule, on calcule automatiquement la date de valeur réelle qu'on doit avoir, de telle manière qu'on puisse comparer cette date de valeur avec cette date de valeur. Étant entendu, bien sûr, que cette date de valeur calculée se base sur le type d'opération, évidemment, la date de l'opération et évidemment... Voilà le nombre de jours de banque pour chaque type d'opération. Vous voyez, tout est précisé ici. Voilà. Donc,
Et automatiquement, maintenant, vous pouvez voir ici, dans ce cas, dans l'outil qu'on va apprendre à mettre en place, vous constatez qu'en rouge, ce sont, évidemment, ici, c'est un cas, on va dire, c'est un cas d'école imaginaire. Donc, en rouge, représente toutes les dates de valeur calculées par mois qui sont différentes des dates de valeur du relevé bancaire. De telle manière que je mets directement la main sur toutes les points bizarres que la banque nous a fait. Comme j'ai dit, un jour vous gagnez sur 1 million, 10 fois devient beaucoup d'argent chez une banque. Ok? Donc voilà, donc première étape, cet outil, ça nous permet de faire cela. On va aussi apprendre directement à extraire automatiquement toutes les opérations de la date de valeur bancaire est différente de la date de valeur calculée. Donc, toutes les opérations en rouge, on les extrait, on va le voir comment on le fait dans l'outil. C'est assez facile aussi. On peut aussi voir comment on le fait. Ensuite, à partir de ma date de valeur calculée et validée ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comment créer l'échelle d'intérêt. Magnifique, je vous dis. L'échelle d'intérêt est ici. Avec tous les éléments qui entrent. Solde du compte, solde débiteur, solde créditeur, montant débiteur, montant créditeur. Ici, le montant, sur compte, la commission du plus fort découvert ici, l'intérêt de compte, de tenue de compte calculé automatiquement ici, l'intérêt de solde, total de nombre de débiteurs, qui ceci nous permet de, en fait, de calculer des éléments ici. Donc ici, tout ceci nous aide à calculer la commission du plus fort découvert, d'intérêt de tenue de compte et l'intérêt de solde principalement qui font partie de nom de mon comment on appelle ça de mon échelle d'intérêt quoi. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va voir, de telle manière qu'on vérifie si ces montants que la banque nous a calculés est juste ou pas après avoir contrôler bien sûr les dates de valeur. On va utiliser ici des techniques de consolidation et des fonctions plus ou moins simples ou compliquées pour générer cet état, comment dire ça, cette échelle de valeur entre guillemets. Et de ce côté, on va utiliser les fonctions date. Vous voyez une fonction date si ou un directeur. Waouh. Donc ce sera assez intéressant. Donc n'hésitez pas. Cette formation est super intéressante. Elle va vous permettre de maîtriser la gestion des dates, le contrôle des dates de valeur et aussi les données consolidation dans Excel. Voilà. Donc vous avez vu là, grosso modo, on aura tout ça dans notre. Donc, je suis en train maintenant de voir dans quelle mesure, ça sera un peu dans les mois suivants, dans quelle mesure rajouter certains éléments dans cette formation. C'est-à-dire, je vais voir comment rajouter le choix des investissements avec l'utilisation dans Excel, comment rajouter le calcul des rapprochements bancaires. En fait, là, il s'agit de certains internautes, de certains blogueurs qui m'ont proposé de rajouter ça dans l'outil. Donc voilà, grosso modo, je fais une petite récap. On peut télécharger par PDF directement tout le plan de la formation, reporting, audit des comptes, reporting tableau de bord financier, audit des comptes, analyse des simulations financières, gestion de la trésorerie, calculateur de prêt, suivi, calculateur de prêt, suivi, les agios bancaires et plein d'autres trucs. Et voilà. Donc, les différents prix, vous le savez déjà, base, 200 000, 6 mois d'accès la plateforme, la seconde, ce sera premium où on paye 300 000 ou bien 450 €. On a toujours 6 mois d'accès à la plateforme et on peut en plus télécharger les vidéos, les fichiers Excel. Et enfin, l'option Star où on paye 500 000 ou à peu près 750 € et on a accès à toute la plateforme pendant 15 mois. On peut télécharger les vidéos. On aura en bonus la boîte à outils du DAF, la boîte à outils du RH. On aura tableau de bord des stocks, tableau de bord des bons de commande. On aura le guide stratégique. Mon Dieu, il y a des choses à l'intérieur. Et le meilleur bonus, à mon avis, ce sera
On aura en plus de ça 2 heures de coaching, vous et moi directement via Skype, via téléphone. On verra quel est le meilleur truc. Vous, pour faire le coaching de 2 heures, vous et moi, l'idée sera que, après avoir fait, l'idée c'est de faire d'abord toutes les vidéos. Ensuite, notez les points que vous voulez qu'on aborde. Vous allez m'envoyer préalablement les éléments. Je vais les analyser, voir ce qu'on peut résoudre directement par email sans avoir besoin de gaspiller nos 2 heures, de telle manière qu'on se concentre uniquement sur nos 2 heures de coaching, sur les trucs que l'on n'a pas abordé de votre thème. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y aura dans le coaching d'AF et tout ce qu'il y a. Il sera lancé en mai. Hein. Il y a une dernière vidéo où je vais présenter quelques promotions qu'on aura en mai. OK? Merci.